Il y a eu des news Star Wars et le Kishni, eh ben il est là. Je vous l'avais dit. Bon, j'ai pas tout mon setup comme avant. Là, je fais ça un petit peu comme je peux. J'ai mon portable là en face, j'ai Audacity qui enregistre derrière. Je ferai le reste au montage. Si jamais ça avait été diffusé en direct, le panel de Star Wars, eh ben j'aurais pas trop pu, je pense, parce que déjà ici la connexion là où je suis, elle est assez instable. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord, mais je suis là, je réponds à l'appel. Sachant qu'en plus je ne vais pas vous parler d'absolument toutes les news. Si je fais cette vidéo à la base, c'est même surtout pour regarder avec vous le trailer de The Mandalorian, parce que moi j'ai rien pu suivre en direct en fait ce week-end. Et donc je me suis dit bah je vais au moins découvrir ce trailer-là en direct avec vous et en même temps avant vous parler de deux trois trucs qui ont retenu mon attention, sachant que au-delà du trailer qu'on va regarder, moi, il y a vraiment que deux news en fait qui ont vraiment retenu mon attention. C'est cette affiche là, donc l'affiche de Star Wars 9. Alors, je pense pas que ce soit l'officiel. Je sais qu'ils font régulièrement des affiches pré-affiches officielles. Celle-ci en fait partie. C'est pour de mettre l'eau à la bouche ou j'en sais rien, un truc comme ça. Mais en tout cas, celle-ci, moi, elle me plaît énormément. Je trouve que déjà d'avoir choisi un fond étoilé, bah, il n'y a rien de plus représentatif pour du Star Wars. La confrontation entre les deux protagonistes avec les deux couleurs distinctes, le bleu, le rouge, qui se pourfend après dans le ciel étoilé, et qui imite quelque part les éclairs de celui dont on perçoit la silhouette dans les constellations de ce ciel étoilé, bah c'est plutôt très cool. Ça fait le fait de l'avoir basé sur une sur un fond sombre fait ressortir justement tout le jaillissement de cette lumière, tout le jaillissement de cet affrontement en plus iconique. Étant donné que c'est entre les deux protagonistes et je veux dire ça monte depuis l'épisode 7 et j'ai envie de dire depuis attention spoil la mort de Han Solo non c'est bon depuis le temps depuis la mort de Han Solo bah en fait ces deux-là sont se confrontent sont connectés s'aiment se détestent et on sait pas trop en fait comment ça va se passer même si on a eu quelques bruits de couloir alors certains qui disent que voilà la relation elle est connectée ou d'autres qui disent qu'elle est bon voilà on sait pas trop un petit peu comment comment ça va se passer entre ces deux-là qu'est-ce qui va se passer côté obscur, côté lumineux, morts tous les deux, ils finissent ensemble. On sait pas. C'est là où, en fait, bah, toute la thématique, comment on dit, entre le bien et le mal, il y a un mot pour ça, manichéen, en fait, de Star Wars, même si dans cette postlogie, ça s'en est assez émancipé. Mais quelque part, on a toujours, en fait, cette base manichéenne, hein, quelque part. Et ben là, en fait, du coup, on est en plein cœur et on est en plein cœur de la problématique de qu'est-ce qui va se passer, le bien, le mal, aucun des deux ou les deux. Voilà, c'est là, on est dans Star Wars, quoi. C'est typique. Et donc ouais, et ben évidemment, Palpatine derrière avec son regard là jaune, avec sa capuche qu'on arrive à distinguer. Non, franchement, pour moi, cette affiche. Elle pourrait être l'affiche officielle que ça me dérangerait pas. Bon, on s'émanciperait un petit peu trop des affiches habituelles, donc je pense pas que ça plairait. Mais franchement, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Et moi qui suis pas très poster habituellement ou quoi que ce soit, j'avoue que là, c'est vraiment une affiche que j'aimerais avoir en poster et que j'encadrerais fièrement dans un magnifique cadre et que j'exposerais chez moi. Ça, y a aucun problème. Pour moi, elle est magnifique. Voilà. Autre news qui a retenu mon attention, c'est évidemment la news sur Obi-Wan Kenobi, la série Obi-Wan Kenobi. Et en plus, c'est Ewan McGregor qui reprend le rôle. Alors ça, c'est un truc, c'est, je pense qu'il y a, doit y avoir des millions de fans qui ont rêvé de ça. Bon, moi, je suis un fan que depuis 2015, mais les personnes qui ont connu la prélogie, qui ont connu cet acteur, qui ont appris à l'aimer avec le temps, dès le début ou avec le temps, n'importe, mais qui ont passé du temps, je veux dire,
Enfin, je veux dire, du temps est passé, je veux dire, depuis la prélogie. Et quand du temps passe, tu t'attaches de plus en plus aux personnages dès le moment où tu les revois dans d'autres contextes, ou même où tu revois les films, et ça devient quelque part des reliques du passé, hein, pour la plupart. Et quand ces reliques-là du passé reviennent dans le moment présent et s'annoncent dans le futur, bah, ça fait toujours quelque chose. Déjà, rien que moi, j'ai découvert la saga en 2015, et déjà que ça me fait quelque chose et que je suis vraiment très heureux de le voir reprendre son rôle de Obi-Wan Kenobi et qu'on va enfin savoir ce qui va se passer, enfin, ce qui s'est passé. Entre le moment où on l'a quitté dans la Revanche des Sith et où on le retrouve après dans l'épisode 4, j'imagine pas en fait la joie des autres personnes qui ont eu cette news-là alors qu'ils sont fans depuis bien plus longtemps que moi. Juste pour quelques infos, du coup, ouais, ça se passe 8 ans après la Revanche des Sith, donc 11 ans avant Un Nouvel Espoir, je suis en train de lire, voilà. À part ça, bah voilà, le script apparemment est terminé, ils sont prêts à tourner, ça sortira en 2021, je crois, par là. Bon. Mais moi, ça me hype vraiment, vraiment beaucoup. En plus, je suis pas série, mais je pense que celle-ci, je ne pourrais pas passer outre. Et donc, en parlant de série, eh bien, maintenant, je crois qu'on peut passer, du coup, faut juste que je le retrouve, au trailer, oui, de The Mandalorian. Alors, je vais regarder ça, sachant que, franchement, The Mandalorian, j'en vois beaucoup qui sont ultra hype, qui adorent et tout ça. Peut-être que ces personnes-là qui adorent, alors c'est soit des fans vraiment incontestés de Star Wars, et ça, je comprends le fait de pouvoir étendre Star Wars, d'avoir des références de la saga de Star Wars dans une série avec une qualité qui a l'air d'être extrêmement bonne. Donc, limite des petits films Star Wars, j'ai conscience que voilà, ça vous fasse vraiment kiffer. Je pense aussi que du coup, The Mandalorian doit aussi plaire aux personnes qui regrettent quelque part Boba Fett. Enfin voilà, des fans cachés de Boba Fett, voilà, qui se disent ah voilà, un Mandalorien, voilà, bon, peut-être bien. Mais moi, en toute honnêteté, en toute transparence avec vous, ça ne me fait pas grand-chose cette série. Mais écoutez, on va découvrir le trailer. Après, j'y suis pas totalement indifférent non plus. Je pense que si j'ai la possibilité de la regarder, je la regarderai évidemment. Après, c'est vrai que là, comme je suis installé depuis pas très longtemps au Canada et que bah j'ai pas mon appartement pour moi, sachant que je suis en coloc, que j'ai pas du coup d'abonnement Disney+ ou quoi que ce soit, même si je peux peut-être demander à la propriétaire, hein, je peux peut-être y financer, j'en sais rien. Peut-être que je regarderai, peut-être que je regarderai pas, mais. Voilà, pour le moment, on verra, et déjà, on va regarder le trailer, et puis bah, je vous dirai à la fin du trailer si, eh ben, j'ai envie de, ça m'aura donné envie de regarder ou pas. Allez, on regarde ça. Hunting is a complicated profession. Don't you agree? C'est
Je saurais pas en dire plus parce que déjà on n'en voit pas grand-chose. J'ai l'impression que l'univers qui nous avait été vendu à travers les images, les quelques petits trailers ou vidéos qu'on a pu voir, bah ça s'en rapproche. Après voilà, moi ce que c'est ça pour moi, il y a des références à Star Wars, donc ça plaît aux fans incontestés. Je suis pas en train de dire là que je suis pas un fan incontesté, mais je suis fan depuis 2015, donc je peux pas me considérer comme un fan pur et dur de la première heure. Mais bien sûr que ça me fait plaisir. Bien sûr que toutes les références, quand on voit le mec là emplâtré dans le truc comme Han Solo dans l'épisode 5, si je me trompe pas. Ouais, toutes ces petites références là, ça fait plaisir. Et puis on est dans l'univers de Star Wars, on retrouve les bruits, on retrouve les vaisseaux, on retrouve les, voilà, les mimiques. Et puis même le héros, du coup, il est à la fois, il a à la fois une image connue parce que bon, il fait penser à Boba Fett, et à la fois il est mystérieux, classe. Ça fait un peu penser à Nathan Drake de Uncharted, quoi. C'est le genre de mec, tu vois, qui est classe, qui est droit dans ses bottes, qui est conscient de ses compétences et qui sait que, voilà, quoi, c'est quelqu'un de plutôt doué dans ce qu'il fait. Mais voilà, t'en sais pas trop sur lui, et c'est ça qui est pas mal et qui peut rendre justement cette série plutôt attachante. Donc pour moi, c'est du pourquoi pas. Après, ça dépend de ce qu'elle va vendre, ça dépend du pitch, ça dépend de plein de choses. Si j'ai l'occasion de la regarder, au moins je commencerai à la regarder, au moins pour voir un petit peu quelle direction elle prend. Après, bon, voilà. Je sais qu'il y a déjà des trucs que je dois finir, genre The Clone Wars, la dernière saison de Rebels. Faudrait peut-être que je le fasse avant que tout ça commence, non. Ce serait peut-être pas mal, avant le 9, au moins que j'ai vu tout ça, quoi. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Surtout que bah voilà, il me reste qu'une saison de Rebelle et niveau The Clone Wars, j'avais bien avancé, donc il faut que je m'y mette. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce trailer. J'ai pas grand-chose à dire d'autre, mis à part que ouais, enfin c'est bien qu'ils expérimentent certaines choses comme ça, et puis pas en film, mais en série. Voilà, c'est bien ça. On va dire ça sacralise moins, parce que si ça avait été un film, oh là là, encore un spin-off et tout ça, on allait commencer à compter le box-office par rapport aux autres Star Wars, un peu comme il s'est passé avec Solo Star Wars Story. Peut-être que c'est là où je me dis que c'est peut-être là où ils se sont gourés avec Solo, c'est que bah finalement je l'aurais peut-être plus vu comme étant une série, parce que vous vous souvenez comment se termine Solo Star Wars Story. Si jamais ils voulaient faire une suite, ça aurait du coup enclenché un budget pour un second film, et du coup l'annonce d'un autre film, pouvoir le placer et tout ça, sachant que Star Wars 9 ça allait passer, ça allait finir et tout ça, oh, ça allait être le gros bordel, et puis avoir un Solo Star Wars Story 2, ça allait faire numéroter tout ça, enfin voilà. Et du coup en fait ça se termine un peu en queue de poisson, j'ai envie de dire, où tu sais pas trop, et puis en fait tu sais que t'auras jamais la suite, même si tu sais un petit peu ce qui se passe ensuite grâce aux autres spin-offs, ou bref c'est le bordel. Donc je me demande si en fait il n'y aurait pas fallu en faire une série de Solo, ou peut-être qu'ils vont continuer dans une série, mais alors là ça fera crossover film série, enfin ouh, je crois quand même qu'ils sont légèrement un peu plantés là-dessus. Et quelque part le film qui aurait dû être sur Boba Fett, hein, il devait y avoir un spin-off sur Boba Fett, hein, je crois, et ben je crois que justement ce projet-là a été transformé en série, peut-être bien, hein. À voir, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais pour moi, ouais, peut-être sur Solo, ils sont un petit peu plantés là-dessus, parce que du coup, là, en fait, on reste un petit peu sur notre fin, à la fin de Solo, bien qu'il soit cool quand même, mais voilà, je pense que ça a plus l'étoffe d'une série, ouais, pour moi. Après, pour ceux qui veulent peut-être un peu de spoil, pour les autres, je vous laisse là. C'est pas un gros spoil, je pense, et puis on sait pas trop, mais j'ai lu un article là que j'ai sous les yeux, et je vais vous le lire. Donc pour ceux qui veulent quitter la vidéo, bah ciao tout le monde, hein, à la prochaine. Et pour ceux qui veulent rester, je vous lis ce que j'ai sous les yeux. Une vidéo qui rendait hommage à l'ensemble de la saga. Elle contenait des images inédites du 9,
Pas encore diffusé sur le net, mais apparemment il y aurait un moment choquant qui montrerait Rey portant une robe noire avec un capuchon et tenant un double sabre laser. Alors là, double sabre laser, je pense que ça fait chavirer le cœur de nombreux fans de la postlogie et notamment de Rey qui aurait rêvé de voir Rey avec un double sabre, étant donné que dans le premier épisode, enfin dans le 7, dans l'épisode 7, elle avait un bâton en fait qui pouvait faire penser à un double sabre laser. Donc il y en a beaucoup qui ont fantasmé sur un double sabre laser. Alors déjà ça, voilà, mais un double sabre laser aux lames rouges. Et la voix de Palpatine qui dit alors le périple touche à sa fin. Et donc est-ce que là c'est la question, est-ce que Rey va passer du côté obscur? Oh là 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 là. À mon avis, s'il montre ça, c'est que ça va pas être le cas. Vous voyez, enfin, c'est juste pour nous faire peur. Enfin bon, je sais pas comment ça va se passer. Mais voilà pour l'espèce de petit spoil. Voilà, j'ai lu ça et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fin de vidéo. Voilà, bah du coup, ceci marque la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé toutes ces annonces-là. C'est vrai que moi j'étais pas trop trop présent, donc j'ai pas vraiment pu suivre les annonces. Là, je les découvre un peu tout en même temps, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ouais, cette petite dose de Star Wars fait du bien parce que ça fait un petit moment. Et puis ça commence du coup à faire un peu monter la sauce pour la fin d'année, l'épisode 9. Et bon, bah malheureusement, je serai pas avec vous en France hein, pour le voir. Mais s'il y a des personnes ici au Québec, à Montréal, qui veulent le voir avec moi, bah écoutez, commencez à pré-réserver les places avec moi. Non, mais bon, on fera qu'on commence un petit peu à se dire, tiens, qui est-ce qui veut le voir, combien vous serez, si vous êtes, hein, parce que peut-être qu'il y a personne ici, mais qu'on commence à savoir dans quel ciné on va, quand on y va, etc. Voilà. Qu'on s'organise. Et puis aussi me dire ici, je comprends pas trop quand est-ce que les films sortent. Parce que pour moi c'est le vendredi, mais à chaque fois que je demande à des gens c'est, oh ben je sais pas. Pour moi, on m'a toujours dit que c'était vendredi ici les films qui sortaient. Alors parfois je sais que le Roi Lion, je crois que j'avais vu, il était sorti dès le jeudi, mais peut-être que c'était une avant-première. Bref, je comprends pas trop encore comment ça marche la sortie des films ici. Il va falloir me le dire. Bon, sur ce, moi. Je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.